Très bien, enchanté. Allez-y.
Déjala tu ching. Ah, bah oui, c'est la veste. Finalement. Oui. J'ai besoin de la lumière aussi, pas. Hein? Terrible. Juste le temps qu'on fasse la photo et puis après. Juste un très petit peu. Pardon. J'ai besoin aussi de lumière pour l'interview. Oui, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Moi, je commence à me mettre à niveau. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde pourrait éteindre le téléphone? Pas le téléphone au musée, parce que ça pourra déranger l'interview. Merci d'avoir appelé. Je rappelle encore une dernière fois, s'il vous plaît, monsieur de la presse. Que l'interview que le président Bemba accorde est ouverte et que dans le respect de l'art de votre métier, vous posez toutes les questions. Mais de grâce, il y a une ordonnance de la Cour qui interdit le sénateur Bemba de parler de la deuxième affaire. Donc, je respecte votre métier et je considère que c'est compris de tous.
Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie d'être venus nombreux. Beaucoup d'entre vous ont sollicité depuis le 9 juin de pouvoir m'interviewer. Je n'ai pas voulu pour des raisons. Après 10 ans, je voulais d'abord passer plus de temps d'abord avec ma famille et puis également surtout être à l'écoute. Ce que j'ai fait, ça fait près d'un mois et demi où je reçois beaucoup de personnes qui viennent du pays, d'autres pays à l'étranger. Et aujourd'hui, comme vous avez appris, à une semaine de mon retour au pays, je vais voulu répondre à vos sollicitations qui étaient nombreuses. Et je me tiens à votre disposition sur l'ensemble des questions que vous pourrez poser, sur ce que vous jugez à votre niveau utile de connaître. Donc, essayons, je vais vous donner le temps qu'il faut, donc j'espère que tout le monde pourra poser ses questions. Je suis ici à votre disposition, donc peut-être qu'on pourrait commencer comme ça, de la droite vers la gauche, ou alors de la gauche vers la droite. Allez. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous vouliez être candidat avec la présidence, que vous pensez que vous pourriez être le candidat unique de l'opposition, et si ce n'est pas vous, est-ce que vous soutiendrez quelqu'un d'autre? Pourquoi d'abord je veux être candidat? Parce que je considère que ce pays a un défi, c'est-à-dire sortir un peu de cette contradiction. Vous avez un pays qui est très très riche et avec une population qui est extrêmement pauvre, et je pense que la population mérite un autre type de gouvernance dans ce pays. Je crois que chacun a besoin dans ce pays, la population, d'avoir d'abord la sécurité. Ce qui se passe dans notre pays en termes d'insécurité, plus de 80 groupes armés qui sillonnent l'est du pays, les massacres que nous avons vus, que nous avons connus au niveau du Kassai, au niveau de l'Ituri aujourd'hui, que les enfants n'aillent pas à l'école, que les populations ne bénéficient pas de soins de santé adéquats, que l'économie est en berne et stagne, il n'y a pas de perspective d'investissement, donc je dirais d'emploi et de revenus pour les populations, me fait dire qu'il y a quelque chose à faire dans ce pays. Et c'est mon pays, j'aime ce peuple. Les 10 ans que j'ai passés au niveau de la CPI m'ont fait réfléchir et m'ont permis de garder le contact quotidien avec, à travers mon parti politique et les acteurs politiques que je rencontrais à La Haye sur les difficultés que traverse mon pays depuis toutes ces années. Oui, je souhaite l'unité de l'opposition sur les candidatures, la candidature au niveau de l'élection présidentielle, parce que la loi électorale qui a ramené de 2 tours à 1 tour le scrutin fait que si nous voulons le changement dans ce pays, si nous voulons un nouveau régime dans ce pays, nous devons passer par une unité, un seul candidat au niveau de l'opposition. Et je milite pour qu'il y ait un seul candidat au niveau de l'opposition. Et bien sûr, si ce n'était pas moi, je soutiendrais le candidat qui sera désigné par l'opposition, ça c'est clair. Parce qu'il reste 15 jours là. Parce qu'il reste 15 jours, effectivement, pour déposer les candidatures, mais les élections doivent se dérouler le 23 décembre. Donc, il nous reste, c'est vrai, plus beaucoup de temps pour nous mettre d'accord. J'espère bien rentrer en pays d'ici le 1er août, rencontrer les différents responsables de l'opposition et pouvoir dialoguer avec eux et leur expliquer que nous n'avons pas le droit pour ce pays et pour ce peuple de nous diviser. Vous avez rencontré les leaders de l'opposition ici aussi en exil. Comment ça va se discuter? Parce qu'il y a des partis de l'opposition qui sont à Bruxelles. Donc un Moïse Katoumi qui ne peut pas rentrer se présenter au pays. Est-ce que vous avez déjà entamé des pourparlers avec eux? Je n'ai pas encore entamé de pourparlers, simplement parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai consacré plus de temps à ma famille, mais je compte rencontrer l'ensemble des leaders de l'opposition, oui, y compris, j'espère, Moïse Katoumi et d'autres qui sont au pays également, que vous connaissez. Donc, oui, je compte rencontrer tout le monde, parce que je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de parler, que tout le monde puisse se parler. Est-ce que
vous estimez que les conditions sont bonnes pour des élections libres, démocratiques et pluralistes ? Absolument pas. C'est-à-dire le problème aujourd'hui qui se pose avec les machines qu'on dit électroniques, ça c'est pour moi une source de conflit si on maintient ce système au lendemain des votes. Alors ce qu'il faut chercher surtout, c'est que les élections à venir soient des élections qui soient apaisées. Je crois qu'il est dans l'intérêt de personne, y compris la majorité, d'organiser les élections qui seraient contestées au lendemain des votes. Donc moi je milite pour un dialogue avec la CENI qui organise les élections, pour le faire comprendre qu'il lui appartient à la CENI d'organiser les élections qui sont acceptées par tout le monde, et acceptables par tout le monde. Avec des observateurs ? Avec des observateurs nationaux, internationaux, mais également on a un grand problème, c'est le fichier. Le fichier des électeurs, vous avez plus ou moins 10 millions d'électeurs qui sont inscrits et qui n'ont pas d'empreinte digitale. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce ne sont pas les conditions qui doivent être réunies pour des élections apaisées, crédibles, je dirais démocratiques. Est-ce que vous pensez que les conditions de sécurité sont réunies pour votre retour et est-ce que vous ne craignez pas des violences ? J'espère que de toute manière il n'y aura pas de violence. Et j'appelle en tout cas l'ensemble des personnes, des partisans au niveau du pays à faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence. Je ne peux jamais prétendre à 100% que la sécurité sera assurée, mais en tout cas j'ai prévenu les autorités de mon arrivée. Elles sont informées, les Nations Unies également sont informées de mon arrivée. Donc j'espère que les choses vont aller dans l'apaisement parce que mon esprit est plutôt de regarder vers l'avenir de ce pays. Mon esprit est plutôt d'aller retourner et revoir les miens, revoir également la population, retrouver la population dans un souci de paix et de sérénité. Mais justement, au moment où vous avez été acquitté, parmi les réactions qu'on a pu voir, parmi les réactions de joie, il y avait aussi le côté que finalement il y allait avoir un chef de guerre, un ancien chef de guerre, qui allait être face à un chef de guerre, et que Joseph Kabila ne pouvait partir que par la force. Ça faisait partie des réactions. Est-ce que vous renoncez définitivement au fait d'utiliser les armes, même si le processus électoral se passe mal ? Depuis 2003, le MLC a quitté donc son statut de mouvement politico-militaire. Il s'est inscrit comme parti politique jusqu'aujourd'hui. Donc la question des armes a été résolue définitivement au juillet 2003, lorsque nous avons rejoint et nous avons réunifié le pays, réunifié les armées, réunifié l'administration. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le combat, il est démocratique. Et je ne pense que combat au niveau des urnes, s'il doit y avoir combat. Même si l'élection n'est pas crédible ou que... Eh bien, nous utiliserons tous les moyens que le droit nous offre, c'est-à-dire d'aller en justice, de porter ça au niveau tant national qu'international, et de faire valoir nos droits à ce niveau-là. C'est ça, également, la partie du combat. La loi électorale exige que... James Roumpan, notamment David. La loi électorale exige que vous soyez au moins une année de façon continue à l'RDC. Après avoir passé 10 ans à l'extérieur, comment allez-vous continuer ça ? Et la deuxième question, en tant que compatriote, vous êtes sorti, tout le monde a au moins applaudi votre sortie. Est-ce que le chef d'État vous a appelé pour vous féliciter ? Ah bon. Donc, comme vous savez, oui, la loi est là, mais la loi également parle de cas de force majeure. Et ce n'est pas de mon fait si je n'ai pas pu être au Congo ces 10 dernières années. Donc il faut comprendre que c'est un cas de force majeure. Et en droit, ce sont des éléments qui portent au niveau de mes droits également, de pouvoir me présenter au niveau de l'élection. Avez-vous reçu le coup de fil de Kabila ? Non, je n'ai reçu aucun coup de fil de Kabila et même aucun coup de fil d'un proche de Kabila. Donc, je n'attendais pas d'avoir un coup de fil non plus, mais je n'ai pas reçu. Donc vous êtes certain que vous pouvez légalement vous présenter comme candidat, vous remplissez toutes les conditions pour être candidat à l'élection ? En tout cas, à ma vue, oui. Et selon mes conseillers, mes juristes, oui. Cheikh Fida, deux questions des confrères de Radio Capi et de Lille.
Une certaine opinion à Kinshasa accuse le président du MLC de pactiser avec Joseph Kabila. On parle même d'un deal secret pour partager le pouvoir en se soutenant. Qu'en est-il au juste? La deuxième question, que pensez-vous du plébiscite très fort de Mgr Monsengwo comme probable candidat à l'élection présidentielle? Seriez-vous prêt à désister en sa faveur ou celui envers nous? D'abord, il n'y a pas de deal entre Joseph Kabila et moi-même. Là, vraiment, je suis formel. Je ne sais pas d'où vient ces rumeurs. On appelle ça aujourd'hui des fake news. Je ne sais pas quel genre de deal aussi il pourrait y avoir au niveau de ça. Joseph Kabila est en fin de mandat. Il a fait ses deux mandats. Je ne vois pas quel genre de deal il peut y avoir. Nous sommes le seul parti qui n'a pas participé à aucun gouvernement de Joseph Kabila. Le MLC, en tout cas. Ce qui montre clairement notre démarcation vis-à-vis de la politique de notre pays, c'est qu'on n'est pas mêlé à la gestion, je veux dire, de ces 10 dernières années. Je ne vois pas très bien pourquoi soudain, aujourd'hui, à la veille des élections, il pourrait y avoir un deal entre Joseph Kabila et moi-même. En ce qui concerne la candidature de Mgr Monsengwo, vraiment, je ne sais pas d'abord si c'est vraiment sérieux, mais il lui appartient de dire s'il est candidat ou pas. Il a jusqu'au 8 août, mais je n'ai aucune indication pour le moment qui me confirme qu'il serait candidat. Donc je ne voudrais pas supputer sur des rumeurs. Non, vas-y. Si j'ai bien interprété ce que vous venez de dire sur un candidat unique, vous dites aussi que la date du 8 août n'est pas tellement importante. C'est-à-dire que c'est bien probable ou possible que plusieurs candidats de l'opposition vont se présenter, seront inscrits, et que la discussion pour qui restera pour le 23 décembre se fera dans les mois à venir, pas dans les jours à venir. J'espère que ça puisse se faire avant, mais je ne peux pas imaginer. Les candidats se sont déjà présentés, se sont déjà énoncés, plusieurs candidats, donc on ne peut pas leur retirer ce droit de pouvoir se présenter. Mais je crois qu'effectivement, à un moment donné, il faut absolument qu'il puisse y avoir une discussion entre nous. Va-t-on tous aller devant la population, nous l'opposition, qui voulons un changement dans ce pays, un changement profond au niveau de la gestion de ce pays? Va-t-on aller en ordre dispersé au risque de perdre? C'est ça les enjeux, je veux dire, de demain. Et donc vraiment, je milite pour une candidature unique de l'opposition. Et je militerai, et je discuterai, et je m'efforcerai à pouvoir amener l'opposition à comprendre qu'il nous faut une candidature unique. Et ce candidat unique ne doit pas être vous-même nécessairement? Non, absolument pas. Je fais partie de l'opposition, oui, je crois que c'est assuré pour personne, mais celui qui sera le mieux à même de pouvoir défendre, je dirais, les couleurs et les ambitions de l'opposition pour une alternance demain, oui, je l'appuierai. Encore une chose. Si jamais le président Kabila se présente quand même, et vous connaissez le scénario prévu peut-être avec la Cour constitutionnelle qui va dire qu'il y a eu changement de constitution, etc., etc., quelle sera votre réaction et la réaction de votre parti? Écoutez, d'abord, vous me demandez de prendre position sur quelque chose qui n'est pas arrivé. Le président Kabila ne peut plus se représenter. La constitution est claire. Les accords de la Saint-Sylvestre qui ont été signés au niveau de la Saint-Anto est très clair aussi, les engagements sont clairs. Donc je ne vois pas très bien comment est-ce que on pourrait aller au-delà de ça, et je n'ai pas encore entendu formellement le président Kabila dire qu'il va se présenter. Donc pour moi, la Constitution est là et j'ai toujours entendu qu'elle va être respectée. Et si elle ne l'était pas? Eh bien, ce serait un désastre pour le pays. Parce que n'oublions pas que le président de la République est le garant de la Constitution, le garant du fonctionnement des institutions. Quel serait votre voix, justement, M. Bema, si la Constitution n'était pas respectée et que Joseph Kabila se représentait aujourd'hui? Mais là, le problème que vous me posez, c'est que ça n'a pas encore eu lieu. Donc je ne veux pas vous donner une réponse sur un scénario qui ne s'est pas encore présenté. Qu'est-ce qui attire votre légitimité si, pour être ce candidat unique, si on y arrive? Je pense que je vais réserver la primeur des atouts au niveau de l'opposition, si vous comprenez. J'ai une certaine expérience au niveau du pays,
C'est vrai qu'au niveau du pays, l'expérience au niveau de la gestion de la sécurité, au niveau d'un territoire, au niveau de la gestion, je veux dire, des affaires de l'État en tant que vice-président, je voudrais plutôt réserver les arguments au niveau de l'opposition, et ça ne doit pas être un débat personnel. Je pense que c'est un débat d'abord structurel, de savoir d'abord quel est le programme que l'opposition veut amener demain. Et ça, j'ai un programme à présenter. Je ne sais pas si ce qu'il est là. J'attends. J'ai un programme que je vais présenter donc, au niveau de l'opposition. Et ensuite, après qu'un programme d'abord ait été établi, on s'est mis d'accord sur une vision commune. La deuxième étape sera de pouvoir désigner quel est l'homme et les hommes qui pourront animer ces institutions. Je ne vais pas trop vous le donner parce qu'il y a encore des coquilles, mais voilà un peu le programme. Il y a plus ou moins 200 pages de ce que j'ai écrit lorsque j'étais à La Haye et ce que je vais présenter le moment venu au niveau de l'opposition. Donc c'est un programme que j'ai écrit lorsque j'étais à La Haye. Il parle de l'ensemble de ma vision, tant économique, sociale, éducatif, sanitaire, écologique et... je dirais le moment venu, je le rendrai public le moment venu également, mais il est ici. Donc je ne pars pas de ma vie en point de vue visuel. Est-ce que votre séjour à La Haye vous a changé? Vous savez, 10 ans que vous faites effectivement dans ces conditions, ça change un homme. Ça vous permet de réfléchir d'abord sur vous-même, ça permet également de pouvoir réfléchir sur les causes que vous militez et que vous servez. Et évidemment que Jean-Pierre Bemba, je ne suis pas le même homme que j'étais il y a 10 ans. J'ai 10 ans de plus. 10 ans peut-être d'une autre expérience également, une autre réflexion également que je me suis fait, avec dans le recul que j'ai pu reprendre. Oui, je dis, j'ai gardé quotidiennement le contact avec à travers les acteurs politiques, mon parti, et j'ai suivi ce qui se passait dans mon pays, et malheureusement, parfois la désolation qu'on peut trouver dans. Tout ce qui s'est produit ces dernières années. Mais après tout ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore avoir un soutien international? Eh bien, pourquoi pas? En vertu de quoi? Puisque j'ai été blanchi. La vérité a fini par triompher. Est-ce que vous vous sentez traité d'une façon injuste? La justice a dit le droit. Des juges professionnels, des juges honnêtes, les juges ont dit le droit. Et pour moi, je veux dire, je n'ai rien à ajouter. Vous savez très bien que beaucoup d'acteurs internationaux vous ont laissé tomber dès votre arrivée à La Haye. Ça, je ne sais pas. Vous le savez peut-être, moi, je ne sais pas. Vas-y, en tout cas, je me suis battu que sur le plan juridique, judiciaire, et la justice a été dite. Monsieur Ambe. Je fais un retour en arrière, Baudouin Mbawechi, Congo indépendant. Je fais un retour en arrière il y a 11 ans. Oui. Le procureur général de la République avait lancé un mandat d'arrêt contre vous après les affrontements entre votre garde et des troupes de Kabila. Et il voulait vous poursuivre pour auteur intellectuel des infractions commises par vos militaires. Là, ma question est celle-ci. Est-ce que l'action publique ouverte à cette époque est éteinte? Vous m'apprenez quelque chose, si c'est le domaine judiciaire, il faut laisser le domaine judiciaire, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'éléments, plus d'éléments là-dessus. Vous avez passé 10 ans à La Haye, et un grand nombre de vos anciens amis ont témoigné contre vous. Ils sont aujourd'hui dans l'opposition, ils sont dans la majorité. Et certains disent que votre retour serait une vengeance. Quel répondez-vous? Alors, ça d'abord, je ne sais pas vous confirmer si... des personnes ont témoigné contre moi et qui étaient avec moi. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que mon retour au pays est sans idée de rancune ou de vengeance, ou sans amertume, en tout cas, ça je peux vous dire. Je regarde vers le passé en ayant mis un terme et un trait à tout ce qui a pu arriver, comme vous dites, de trahison, de changement. Dans la vie politique, ce sont des choses qui arrivent pas simplement en RDC. Mais moi, je regarde sur l'avenir de ce pays surtout. Ma vision est tournée vers l'avenir. Et je
dire, le passé, vraiment, n'a plus beaucoup de place dans, dans ma mémoire. Voilà. On dit que vous êtes en contact avec votre parti, que vous avez continué à diriger à distance. C'est donc vous qui avez pris la décision de rallier l'accord du 31 décembre, le 26 juillet, dont l'application, finalement, n'a jamais été complète. Oui, je n'ai pas l'impression d'avoir été trahi. Ou... D'abord, vous savez que nous avons rallié avec, avec beaucoup de difficultés. Si vous vous souvenez, les étapes, nous n'étions pas partie prenante dans ces. Dans cette réunion, parce que nous savons qu'en général, les accords n'ont jamais été respectés. Et nous ne voulions pas non plus, à un moment donné, être tenus responsables de l'échec ou de la non-participation d'un accord quelconque. Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, on s'est abstenu au niveau du MLC de participer à un gouvernement quelconque. On s'est contenté de pouvoir remettre les uns les autres dans le droit en faisant respecter la Constitution et nos débats de personnes du MSC qui ont participé, dans ce dialogue était de rappeler aux uns aux autres la Constitution. Malheureusement, on regrette une fois de plus que ces accords n'ont pas été respectés, mais nous le disions avant. Nous étions ceux qui le disions avant, c'est pour ça que à un moment donné, on a été critiqué parce qu'on ne voulait pas participer. Mais la raison pour laquelle nous n'avions aucune garantie sur la réalisation de ces accords. Nous avions beaucoup de doutes et aujourd'hui, l'ami nous donne raison. Oui, Cheikh Fitta pour la ligne de Congolais de Belgique. Le président sortant, M. Joseph Kabila, a fait un discours devant les deux chambres. Il a présenté un bilan. Et qu'en pensez-vous? L'opposition s'est réunie et a sorti un communiqué hier à ce sujet. Nous regrettons que, dans tous les éloges que le président de la République a évoqués sur les réalisations, qu'il y a un contraste avec la misère de la population. Il y a un véritable contraste avec ce que vit le peuple congolais au quotidien. On nous a parlé de construction de routes, mais ce que je sais, c'est que à l'intérieur du pays, les routes, la majorité des routes ne sont pas praticables. Au niveau sanitaire, je pense que ceux qui sillonnent l'intérieur du pays se rendent compte qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la fourniture en médicaments et en équipement des installations hospitalières et sanitaires. Au niveau éducatif, vous savez que les enfants, nous avons un taux d'analphabétisation qui est très élevé au niveau du pays. Ce qui fait que tous les enfants ne vont pas à l'école. Et ça c'est déplorable. Pour moi, je ne peux pas considérer qu'un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans soit dans la rue. Un enfant doit pouvoir être à l'école et doit avoir l'obligation de pouvoir aller à l'école. Donc, lorsque j'entends ce discours, j'ai l'impression que c'est deux mondes différents entre ce que nous vivons en termes de sécurité, lorsque je reprends un peu le désastre qu'il y a eu au Kassai dernièrement, à l'Ituri en ce moment, au niveau de Kivu, pratiquement Beni, Butembo, et le Bas-Congo aussi, on me parle que la sécurité est rétablie, j'ai quelques doutes sérieux à avoir là-dessus. Comment vous voyez la relation avec le Rwanda pour le futur? Le Rwanda est un pays voisin de la RDC. Nous sommes, comme 9 autres pays de la RDC, nous sommes condamnés à pouvoir, entre guillemets, vivre ensemble. Et je comprends les préoccupations du Rwanda qui est d'ordre sécuritaire vis-à-vis des groupes armés rwandais qui se trouvent sur nos territoires. Mais je pense que là-dessus, il faut continuer le dialogue avec le Rwanda. On ne peut pas le stopper. Et il faudrait... dans ce cadre de ce dialogue, que le RDC aussi mette sur la table ce qu'elle considère être ses préoccupations vis-à-vis du Rwanda. Vous savez très bien qu'une grande partie des minerais de l'Est du Congo disparaissent du côté du Rwanda au lieu que par Kinshasa. Ce sont les préoccupations de l'RDC. Ce sont ça aussi les préoccupations de l'RDC. Comme le Rwanda, ses préoccupations sont d'ordre sécuritaire. Donc il faut continuer à dialoguer avec le Rwanda et nous sommes condamnés à vivre ensemble.
quand comptez-vous rentrer précisément et comment allez-vous organiser votre retour? Est-ce qu'il y a un jour? Comment ça va se passer? Je compte arriver à Kinshasa le 1er août, le mercredi 1er août, dans la matinée, par un avion. Privé. Dans un avion privé. Oui. Est-ce que vous appelez vos visitants ou est-ce que vous allez organiser quelque chose pour votre retour, comme ça a été le cas par exemple pour Etienne Tshisekedi qui avait négocié avec l'hôtel de ville pour permettre un accueil avec les militants? C'est-à-dire que mon parti a écrit effectivement à l'hôtel de ville, à la mairie, a prévenu également le ministère de l'Intérieur aussi de mon arrivée et pour que les dispositions soient prises de manière générale pour qu'il n'y ait pas de débordement. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire, nous à notre niveau, puisque nous n'avons pas le pouvoir de l'organiser. Et vous appelez vos militants à venir à l'aéroport pour vous accueillir? Moi je serais très heureux de pouvoir retrouver mes militants, bien sûr. Ça oui. Est-ce que vous avez des moyens pour mener une vraie campagne pour dans les mois prochains? Au niveau d'un parti, les moyens s'obtiennent par la cotisation au niveau des militants, la participation au niveau de nos adhérents, les dons également au niveau de l'intérieur du pays qui sont faits. Donc c'est à travers ça que nous constituons, que chaque parti constitue, je dirais, sa cagnotte pour pouvoir aller aux élections. Et le MLC a lancé effectivement au niveau des réseaux sociaux, je crois, au niveau aussi des médias, au niveau de la RDC, une campagne de collecte également pour des cotisations pour les élections. J'écoute encore. Etienne Tshisekedi est décédé il y a un an et demi. Son corps est toujours ici à Bruxelles, dans une chambre froide. Et on ne parvient toujours pas à le rapatrier. Comment vous interprétez cela et qu'est-ce que vous en dites? Je trouve ça tout à fait anormal dans nos cultures, en plus, bantou, qu'un corps puisse rester comme ça après un an et demi dans une morgue, dans un frigo. C'est vraiment pas honorable. Je pense qu'il faut que. Je ne peux pas m'avancer, mais que ce soit le gouvernement, que ce soit la famille, puisse. Tout faire pour ramener le corps du président Tshisekedi. Il est venu me voir deux fois à La Haye. Je l'ai reçu. Ce qui se passe, je veux dire, n'est pas digne. Et j'espère que le corps du président Tshisekedi va revenir et être enterré dignement, comme il se voit. Vraiment, je l'espère. Est-ce que vous confirmez que vous avez les passeports diplomatiques congolais? Vous avez été revu par le gouvernement congolais? Ah oui, donc il y a eu beaucoup de fantasmes sur ce passeport. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler, je suis encore sénateur en fonction. J'ai écrit, lorsque j'ai été libéré, au président, j'ai écrit au président du Sénat, comme les autres sénateurs, les 110 autres sénateurs de la RDC, lui demander qu'il puisse intervenir pour que je puisse obtenir un passeport. Et en tant que sénateur, j'ai droit à un passeport diplomatique. Ce qu'il a fait, il a écrit il a adressé un courrier au ministre des Affaires étrangères, qui lui a répondu qu'il allait organiser que je puisse obtenir le passeport. Et dans les deux semaines qui ont suivi, j'ai pu obtenir mon passeport. Comme tout autre sénateur obtient son passeport. Donc je sais qu'il y a eu beaucoup de fantasmes là-dessus, mais j'ai obtenu mon passeport comme tout le monde. Mais comment vous expliquez que le gouvernement vous laisse rentrer sans faire trop de difficultés, alors qu'on voit que pour Moïse Katumbi, il est au moins poursuivi, il y a plusieurs affaires qui ont été lancées contre lui, il a l'impression que c'est pour l'empêcher justement de rentrer au pays et qu'il est menacé ainsi. Comment vous expliquez que vous, on vous laisse rentrer et pas Moïse Katumbi? Je veux simplement, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. J'espère que Moïse Katumbi pourra rentrer au pays. Je l'espère vraiment pour lui. En ce qui me concerne, je vous dis, je suis sénateur en fonction et j'ai été dans un cas de force majeure. Je n'ai pas pu rentrer dans mon pays ces 10 dernières années. Mon souhait de pouvoir retrouver les miens, retrouver la population et jusqu'à présent, en tout cas, mon objectif, c'est de rentrer donc le 1er août à Kinshasa et c'est ce que je compte faire, ce que je vous annonce. L'intérêt
les autres points qui étaient un petit peu polémiques ces derniers temps, c'était le fait qu'Emmanuel Ramazani Shadari, qui est le secrétaire permanent du PPRD, le parti présidentiel, soit venu au congrès du MLC, ce qui a beaucoup surpris en fait le reste de l'opposition. Comment vous expliquez qu'il soit venu alors qu'il ne vient pas d'habitude aux autres réunions politiques de l'opposition ? Le MLC s'est inséré depuis 2003 comme, et 2006 d'ailleurs après les élections comme une opposition républicaine. Donc nous sommes avec, nous sommes de l'opposition, nous sommes le parti qui n'a jamais participé à aucun gouvernement du président Kabila. Nous considérons, je veux dire, la majorité présidentielle et l'ensemble des partis qui la considèrent comme des adversaires politiques et non pas des ennemis politiques. Si vous avez suivi le discours du secrétaire général, Mme Bazaïba, lors de ce congrès, elle n'a pas mâché ses mots. Je pense qu'elle a dit devant les représentants de la majorité présidentielle les mots sur la gestion du pays. Elle a clairement expliqué que ce qui n'allait pas dans tous les secteurs. Nous sommes dans notre rôle de l'opposition. N'oubliez pas que le même rôle, nous l'assumons au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, et même si nous sommes minoritaires, nous avons l'habitude, devant les membres de la majorité présidentielle, de décrier, je veux dire, la gestion de ce pays. Et nous l'avons fait à cette époque. Nous avons invité tous les partis politiques. Nous l'avons fait en 2006, lors du congrès du MLC. Nous l'avons fait également lors du congrès en 2011. Nous invitons tous les partis. C'est un seul moment où, dans la tradition du MLC, nous invitons l'ensemble des partis politiques. L'ensemble. C'est-à-dire, on ne regarde pas, dans ce cadre-là bien précis du congrès, c'est un point, un moment où nous, au niveau du parti, nous faisons le bilan sur les 5 années passées et nous allons faire le bilan et nous avons les perspectives des 5 années à venir. Et nous le faisons devant l'ensemble de la classe politique. Est-ce que vous êtes le candidat de l'Ouest ? Ah, mais là, j'espère pas. Vraiment, je n'espère pas parce que malheureusement, ce qu'il faut constater dans ce pays, c'est que ce pays est divisé aujourd'hui et que la division Est-Ouest, je n'aime pas ce terme-là. Vraiment, je n'aime pas ce terme-là. Je trouve que c'est désolant de revenir en arrière en régionalisant le pays. Je pense que ce pays doit être uni, rester uni, et qu'il ne doit pas avoir de clivage entre l'Est ou l'Ouest, ou le Nord ou le Sud, entre les provinces, entre les tribus. Et en tout cas, moi, je milite pour un Congo uni, un peuple uni, et qu'en aucun cas on puisse tribaliser la vie politique dans ce pays. Mais vous avez dû les entendre depuis votre acquittement, les gens qui ont dû vous appeler pour vous dire à quel point ils ont l'impression d'être mis de côté, peut-être dans les institutions, ou de ne pas avoir la place qui leur importe. Et c'est en ça que vous êtes porteur d'espoir pour une partie des leaders de l'Ouest. Mais ils ont raison, ils ont raison parce que la gestion tant de l'armée, des services de sécurité, je dirais de l'économie de ce pays se trouve entre les mains, je veux dire, d'une frange, je veux dire, originaire de ce pays. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Je veux dire, d'avoir réduit le pays à une régionalisation, je trouve que c'est une erreur que le régime a faite. Ce pays est tellement vaste. Nous avons plus de 450 tribus dans ce pays. Les provinces sont là, les origines sont diverses. On ne peut pas, à mon sens en tout cas, tribaliser, régionaliser ce pays. Il appartient aux dirigeants de ce pays de mettre tous les Congolais en fonction de leurs compétences sur le même pied d'égalité. En tout cas, c'est ma vision et c'est ma conviction. Est-ce qu'en rentrant au pays, avez-vous prévu un message ou un meeting vis-à-vis de vos militants ? Je rentre au pays principalement pour des questions d'abord familiales. Vous savez que je n'ai pas enterré mon père. Je n'ai pas eu l'occasion de voir également où il est enterré, donc c'est important pour moi que je puisse le voir. Et surtout également pour
déposer ma candidature en tant que candidat à l'élection présidentielle. C'est ça qui m'importe. Et je n'ai pas prévu de meeting en tout cas pour le moment. Je demandais les belles défauts que vous recevez de Kinshasa, supposé, belles défauts. Vous n'allez pas vous adresser aux militants? Je pense que ce n'est pas dans mon programme. J'ai obtenu l'occasion de faire une conférence de presse en arrivant là-bas, mais je n'ai pas prévu de plus faire un meeting lorsque je vais là-bas. Je pense que une dernière question, peut-être une dernière question. Je vous remercie en tout cas d'être venu, d'avoir patienté un petit peu. Surtout, je sais que beaucoup ont attendu depuis plus de un mois. Je promettais que je ferais cette conférence, elle est faite aujourd'hui. J'espère que j'ai eu l'occasion d'apprendre à toutes vos questions. Et s'il y en avait d'autres à l'avenir, n'hésitez pas à pouvoir me consulter, je serai toujours. Merci. Et bonne fin d'après-midi. C'est juste parce que c'est pour la finalité matin, pour que ça soit d'une seule traite et qu'il y ait mes questions. Je dois rajouter des questions en fait dans la loi. Oui, mais je faisais beaucoup de sport. Hein. Ah oui, ah, je faisais beaucoup de sport. Non, c'est pas pour moi en tout cas. Moi, ça vous fait plaisir aussi. Voilà, j'ai deux semaines. J'ai une très 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 petite question. Ça va vous laisser dans votre petit ami. Oui, je comprends. Est-ce que c'est vrai que vous l'avez envoyé pour. Ah, là où vous avez. Là où vous l'avez. Je sais pas. Là, je répondrai pas là-dessus. Ok. Bon, je respecte. Oui, oui, oui. Mais vous n'avez pas vieilli. Vous avez hérité la jeunesse. Tu as salué tout le monde? Oui, oui, oui. C'est là, 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 où vous tenez la jeunesse. Oui, oui, oui. D'accord. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous considérez l'élection comme suffisamment crédible pour pouvoir véritablement y participer? Parce que ensemble avec le reste de l'opposition, vous avez fait quand même une déclaration qui soulevait des points qui mettent en cause le fondement même et la crédibilité du processus électoral. Absolument, non. Dans l'état actuel des choses,
beaucoup de problèmes restent à être résolus dans ces élections, notamment la question du fichier électoral, qui est plus de 10 millions d'électeurs sont sans empreinte digitale, et la question de la machine à voter, qui est toujours inacceptable. Cela dit, nous avons déposé les listes de tous nos candidats, l'élection provinciale, nationale, seulement présidentielle. Nous allons continuer à nous battre avec la CENI pour pouvoir résoudre ces questions. Ce qui n'est pas dans l'intérêt de la CENI d'avoir des élections dont le résultat au lendemain des élections soit contesté. Absolument que nous trouvions une solution à ces questions. Et moi, je suis prêt à dialoguer avec l'opposition et la CENI pour trouver une solution. Dans l'intérêt de tout le monde, il faut que ces élections soient crédibles, qu'elles soient transparentes. Donc il n'y a pas de ligne rouge, il n'y a pas de moment où... Moi, je suis en Afrique du Sud. Si vous avez l'occasion de poser à monsieur. La presse politique, si on veut des élections apaisées, il faut que tout le monde puisse accepter, je veux dire, les conditions dans lesquelles elles se déroulent. Mais à l'heure actuelle, ce qui se passe, ça ne va pas dans les sens de la raison. Est-ce que vous pensez que, vu que vous avez commencé quand même la course un peu en retard, puisque avec la crise, forcément, est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui à ne pas demander un report pour avoir plus de temps pour vous organiser, pour revenir en train de voiture? On sait que ça fait partie aussi des choses dont on dit un accord avec Joseph Kabila. Les gens disent souvent qu'ils pourraient être d'accord sur un report des élections. C'est vous qui me la prenez. J'ai l'expérience de la campagne de 2006, on a donné le Covid, le temps long commence quand on organise une campagne. Il n'y a pas d'accord et j'espère bien que le 23 décembre, les élections auront lieu. Est-ce que vous pensez que votre condamnation pour subordination de témoin peut vous empêcher d'être candidat, article 9 de la loi électorale? Sur cette question, en tout cas, je ne répondrai pas, comme vous savez, je suis tenu par un devoir de réserve. Merci. Bonjour. Alors, vous êtes aujourd'hui à Bruxelles pour convoquer une conférence de presse. Vous avez annoncé votre retour à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce qui va se passer une fois que vous serez rentré en République démocratique du Congo? Ce qui va se passer lorsque j'arriverai à Kinshasa, c'est mon inscription au niveau de la CENI, c'est ce que la loi électorale recommande, au niveau de ma candidature, des documents qui accompagnent le dépôt de la candidature, et rencontrer également les membres de l'opposition, les différentes personnes que je connais, des amis, également ma famille. Vous savez aussi que beaucoup, je n'ai pas vu depuis plus de 10 ans. Mm-hmm. Est-ce que vous ne craignez pas pour votre sécurité? Non, vraiment, je suis chrétien, je peux vous dire que en ce qui concerne ma sécurité, je n'ai aucune crainte. Mm-hmm. Monsieur Derbal, jusqu'à présent, Monsieur Kabila n'a toujours pas dit s'il allait réellement se présenter aux élections. Il a parlé de respecter la Constitution. Qu'est-ce qui pourrait se passer aujourd'hui si Joseph Kabila ne respectait pas la Constitution de la RDC qui se représente? Je pense que la Constitution est claire là-dessus. Si on veut respecter la Constitution, le président Kabila ne peut pas se représenter. Maintenant, vous lancez des hypothèses qui n'ont pas encore eu lieu, donc je ne voudrais pas m'exprimer là-dessus. Mmh. Est-ce qu'au cas où il se représente, on pourrait éventuellement se retrouver dans un scénario comme celui de 2006? Je pense que vous êtes en train d'aller vers des hypothèses qui ne sont pas encore présentées et je ne voudrais pas m'avancer là-dessus. Mmh. Vous avez présenté tout à l'heure un programme, vous avez parlé du groupe de 200 pages, plus ou moins, vous avez parlé des conditions sécuritaires, sanitaires, des choses que vous pourriez améliorer une fois que vous seriez élu. Si vous deviez parler aujourd'hui aux Congolais qui vont suivre cet entretien, globalement, quels sont les changements fondamentaux que vous allez apporter au niveau de la santé, de la sécurité et l'éducation? D'abord, permettre à tous les Congolais de circuler librement et en toute tranquillité dans le pays, en toute sécurité surtout. Permettre aux enfants, tous les enfants d'aller à l'école et à chacun de pouvoir se soigner, je veux dire, de manière décente.
Ça, c'est les grands axes, je veux dire, prioritaires. Mais je dis également qu'à travers tout ça, un grand programme pour le développement du pays, des investissements au niveau des infrastructures vont permettre de relancer, je veux dire, la machine économique. Au niveau sécuritaire, vous avez mentionné tout à l'heure des zones comme l'Ituri, Beni, Butembo et le Kasaï. Qu'est-ce que vous dites aux populations de cet endroit-là du Congo aujourd'hui, concrètement? Je dis concrètement à ces populations que je regrette. Je connais très bien les populations de l'Ituri. J'ai eu moi-même en 2001, réinstaurer la paix et la sécurité au niveau de l'Ituri. Les Ituriens s'en souviennent. Que ce soit au niveau de Beni aussi, nous avons eu à instaurer la paix en 2001 lorsque j'ai géré ces territoires et face aux ADF, déjà à l'époque qui menaçaient la sécurité au niveau de Beni et de Butembo. Je dis que je suis solidaire vis-à-vis de ces populations. Je regrette ce qui se passe au niveau du Kasaï. Je suis vraiment peiné pour les victimes. Je prends mes condoléances, je suis très proche à tous ceux qui ont perdu les droits. Je dis simplement que j'espère que rapidement un gouvernement responsable sera mis en place pour pouvoir, au lendemain des élections, s'occuper de la sécurité de toutes ces populations. Ce n'est pas de la démagogie, je l'ai fait personnellement en 2001 et je pense que véritablement il est possible dans toutes ces parties du territoire de rétablir la sécurité. Au niveau international, est-ce que vous pouvez nous dire quels seront vos éventuels alliés? Est-ce que vous pouvez compter sur la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le pays? Et les États-Unis également, ainsi que les pays africains également, les pays limitrophes. Ma vision est de pouvoir avoir une relation de coopération avec l'ensemble de ces pays qui peuvent amener, bien sûr, pour la RDC le développement et également pouvoir, pour la RDC également, connaître ces pays pour pouvoir. Et aussi de la coopération économique. Merci. Vous dites que vous êtes choqué par le discours de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui vous paraît le plus déconnecté dans la vision qu'il a proposée? Le contraste qui existe entre son discours de satisfecit dans tous les domaines et l'extrême misère de la population et l'état de délabrement, je veux dire, de nos infrastructures, surtout à l'intérieur du pays. Et là, je ne comprends pas par rapport à ce qui existe. Qu'on puisse penser que tout va pour le mieux. Monsieur le maire. Au niveau de la sécurité, comme je l'ai dit, ce qui se passe au Kasaï, à l'Ituri, au Kivu, c'est vraiment un désastre. 80 groupes armés à l'intérieur du pays, c'est préoccupant. Monsieur le maire, à quel moment vous avez pris pour vous-même la décision de vous présenter comme président? Cette décision d'abord a été mûrement réfléchie. Je sais qu'à un moment donné, les élections doivent avoir lieu. Les circonstances, je veux dire, de la libération ont permis, avec mon parti, de pouvoir relancer l'idée et surtout cette idée de Genovie qui est chère de pouvoir faire quelque chose pour mon pays et pour la population. Je veux dire, cette flamme, je l'ai toujours, je l'ai eue depuis 1998. En 2006 également, et maintenant l'occasion se présente, je suis déterminé à pouvoir faire quelque chose pour faire en sorte que ce pays puisse sortir de sa contradiction, d'un pays extrêmement riche, avec une population des plus pauvres du monde. Est-ce que vous pensez que vous seriez acceptable pour toute l'opposition comme candidat unique? Écoutez, pour le moment, je n'en fais pas une fixation, mais je laisse d'abord après de discuter avec l'ensemble de l'opposition et puis la question des hommes se poseront par la suite. Mais je crois que parlons d'abord d'un programme. Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo demain? Et ça, je pense que c'est ça le plus important pour le moment en tout cas. Pourquoi vous seriez un candidat bien pour toute l'opposition? Ça, je veux dire, ce n'est pas moi le dire, c'est pas ici que je voulais le dire. Quels sont vos atouts? Je pense que l'expérience également, l'expérience de la gestion des hommes, l'expérience de la gestion, je veux dire, de la sécurité, de l'armée, du développement économique également. Mais tout ça, je veux dire, ce n'est pas une question personnelle, ce n'est pas, je veux dire, une obsession. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est que un candidat de l'opposition puisse gagner. Et nous devons tout faire pour qu'un candidat de l'opposition puisse gagner, mais qu'on se gagne en présentant un programme qui est crédible à la population. C'est tout ça qui est important. Vous rentrez le 1er août, qu'est-ce que vous attendez de ce jour même et les jours après? Moi, d'abord, ce sera une satisfaction de retrouver la population de Kinshasa et de pouvoir revoir les miens, surtout. Et c'est ça, pour moi, un
un sentiment, je veux dire, de joie et d'extrême satisfaction. Quel est votre agenda, M. Bemba, pour les prochaines semaines? Je suis désolé, j'ai raté le début de votre conférence de presse, mais sur l'agence Reuters. Eh bien, c'est de rentrer au pays, c'est de remplir mes obligations, de m'inscrire comme candidat à l'élection présidentielle. C'est de rencontrer également les différents leaders de l'opposition, pour parler de l'unité de l'opposition et également de la possibilité d'une candidature unique de l'opposition. Voilà un peu pour les jours, les semaines à venir, mon agenda. Est-ce que vous avez des restrictions imposées par la Cour pénale internationale en termes de... Je ne parlerai pas en tout cas de la question juridique ou judiciaire ici. Mais c'est dans votre bon droit que vous allez au Congo. Absolument. Absolument. Merci en tout cas à tous. Est-ce que vous avez besoin d'y aller en présence, sans signer un document, ou le processus pour déclarer votre corps? Je ne répondrai pas sur les questions ni juridiques ni judiciaires ici. Ah non, ça non, mais je peux vous dire que je vais en toute légalité, au niveau de tout ça. Et comment ça se passe au niveau logistique pour déclarer votre candidature? Eh bien, il faut se présenter au niveau du bureau de la commission électorale indépendante et déposer toute une série de documents. Et vous êtes enregistré et puis ça va être probablement analysé. Et combien de temps vous pensez rester au Congo? Je ne sais pas, mais probablement ça ne sera pas pour cette fois-ci, ça ne sera pas pour longtemps avant que je puisse retourner et y rester. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci à tous. Julien, je suis content de vous avoir vu. Ben oui, bon courage. Je suis Julien Pavanfin, on va être correspondant directeur à Kinshasa. Ah, d'accord. Vous êtes en vacances? Oui. Okay. Ça va? Et donc, ça va voir. Je suis Christian, par exemple. Oui, je suis en visa maintenant. Au sein, mais oui. J'espère travailler de cette langue. Oui, d'accord. Tu fais toi, oui. Et on remplace un endroit, ce qui, lui, non plus, pas rentrer au Congo. Alors, la presse congolaise, juste une photo de la presse congolaise. Oh, ouais. Une photo de confrère congolais, s'il vous plaît. Merci. Avec le président. La presse. Le plan aussi. Oui. Ta vigne, à c'est bien. Bon. Tu peux faire une photo. Ah, tu veux que je te passe une photo? Ah, parce qu'il veut. Moi, je vais avoir. Ah. Oui. Voilà. Oui, c'est 0475. Je vais monter, c'est pour mon 19. Mais rappelle-moi. Je vais monter. 109. Donc, attendez tout ça. Je vais monter. Oui, Jacques, tu es prêt? Oui, vite. Oui, c'est chez maman. Mais tout pas pour vous. Mais tu es au moins. Ah oui. Là. Ah. Allô. Oui. Oui, ça va. Oui, ça va. Je vais vous prendre. Au bas, il y a une photo. S'il vous plaît. Allô. Ok, c'est bon. Oui. Bon. Moi, j'ai pris des bonnes. Moi, on a pas pris des bonnes.
Mais on continue, on parle. Bon, attendez, est-ce qu'on peut... Mais non, c'est que... Oui, c'est bon, j'ai pété déjà. Oui, vous avez un peu. Voilà, ok. Ça va, merci. Ce plat, on peut te soigner. Quelqu'un a oublié sa batterie ici. C'est pour qui, s'il vous plaît? Bon, on peut sortir, s'il vous plaît. Batterie. Ouais. Oui. C'est pas toi, ça? Non, non, pas à moi. S'il vous plaît, on peut sortir. Parce... Ils vont revenir. Mais c'est pas pour vous. Mais c'est au coin là-bas. C'est pas pour vous. RTBF pour les amis de l'AFP. S'il vous plaît, on peut sortir parce que c'est pas un c'est lui qui l'a oublié. Agendas. Le c'est le docteur. On peut partir, on va partir. On peut sortir le président de notre rendez-vous, s'il vous plaît. Ok. Agendas. On peut sortir le président d'autres rendez-vous.